Ok, cher abonné, je vous avais promis un documentaire sur les animaux, sinon même les animaux, vous avez les animaux, tels que ce que vous avez vu, les scorpions, et avec porte-pique. Maintenant, la forêt où je vais installer mes caméras cachées, je vais me porter sur les porte-pique, puisque voici de quoi il se nourrit. Voilà, c'est de cet arbre, il se nourrit, je ne connais pas le nom, mais il se nourrit de ses fruits. Voilà, ça c'est le porte-pique qui se nourrit de ça. D'accord? Ceux qui connaissent aussi ces plantes, ils peuvent le dire. Voilà. Donc le documentaire serait bien basé sur ça. Pour essayer de voir un peu. On va essayer d'installer les caméras cachées en brousse. Si la nuit les chasseurs n'ont pas enlevé. Voilà, on va voir ce qui est un peu l'effet jet des animaux. Et puis on verra bien. Et vous saurez tout. Vous voyez bien. Voilà. Et ici, c'est une forêt classée. Voilà, mais je vais me permettre de poser la caméra pour voir les animaux de la forêt. Et ensuite, on verra ce qu'il faut faire. Et ensemble, ça va rendre tout le monde. Ok. On saura tous. Tout le monde verra. Voilà. J'ai décidé de me mettre en plein documentaire. On n'est pas parlé de politique, tout seulement de l'auto. Mais là, je vais montrer un peu comment vivent les animaux de la forêt. Voilà. Je suis au nord, ça sent que le nord c'est la savane. Je vais montrer un peu comment vivent les animaux ici. Ok, c'était un peu ça. Et je vais couper là un peu puisque je vais installer la caméra. Et puis voir ce que ça va donner. Ok. Restez installé chez vous, connaître les arbres, les feuilles, les animaux de la forêt, la Côte d'Ivoire entière. En un seul clin d'œil, MGTV, la Brigitte de Mania TV. Let's see.